Frédéric a remporté la dernière saison de Koh-Lanta, faisant presque l'unanimité auprès des autres aventuriers. Mais le candidat a un regret au sujet de son aventure comme il l'a confié sur Instagram, hier, mardi 27 juin. Koh-Lanta, le feu sacré a pris fin, le mardi 13 juin. Vainqueur des poteaux, c'est Frédéric qui a remporté le jeu de survie de TF1 lors de la finale. Il a gagné à une large majorité face à Tania, le phénix de la saison, à 7 voix contre 2. Et pourtant, ce grand stratège n'a pas hésité à trahir Nicolas, son principal allié de l'aventure, en préférant leur rival comme adversaire devant le jury final. Après, moi, objectivement, je savais que je n'allais pas gagner. Mais honnêtement, je ne comprends pas parce qu'elles ont toutes été trahies par Frédéric et au final, tout le monde lui donne sa voix. Après, c'est le jeu, avait remarqué la finaliste avec une pointe d'amertume sur le plateau de Touche pas à mon poste. Frédéric en a un peu trop dit à sa compagne sur son aventure. Frédéric a proposé à ses abonnés un jeu de questions-réponses sur son compte Instagram afin de clôturer son aventure. Un internaute lui a demandé si sa chérie était au courant qu'il était allé jusqu'à une finale de Koh-Lanta. Le gagnant de la saison lui a répondu en toute franchise qu'il en avait peut-être un peu trop dit à sa future femme sur son parcours dans le jeu. Oui, en rentrant, elle m'a dit, dis-moi juste à quel moment tu es sorti du jeu. Moi, j'ai gagné les poteaux, a-t-il réagi. Avec du recul, j'aurais préféré de pas lui avoir dit, même si je ne lui ai rien dit d'autre, c'est tout de même le plus gros spoil de la saison, a-t-il constaté avec humour. L'aventurier, qui projette d'ouvrir un bar à cocktail avec ses gains, a révélé également que son projet avançait et que son établissement devrait ouvrir d'ici mi-2024 en région parisienne, banlieue ouest proche Paris. Un seul de ses alliés sera invité au mariage du gagnant de Koh-Lanta. Frédéric partage la vie de Marine, qui est directrice artistique. En avril, le candidat avait indiqué sur Instagram qu'il était sur le point d'épouser sa belle. Parmi ses alliés de l'aventure, il avait confié qu'il ne convierait qu'un seul des quatre fantastiques à la cérémonie. C'est-il une célébration très privée. J'ai invité un seul aventurier, Quentin, avait-il assuré. Avant de se justifier, c'est-il vraiment une personne avec qui j'ai noué une amitié très forte. C'est-il la seule amitié qui a vraiment dépassé le jeu dans le sens où on a été les premiers à se revoir tout de suite, même avant la diffusion. On s'est vu plusieurs fois, j'ai rencontré sa femme, il a rencontré la mienne, il vient à la maison dans 2 semaines pour un week-end, avait-il ajouté.